Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes premiers essais au niveau de la sculpture. Je me suis réalisé de simples exercices au début. C'est pas des formes compliquées, il n'y a pas de partie arrondie pour le moment. On est vraiment sur des formes géométriques. C'est des exercices que j'ai récupérés sur internet et je me suis dessiné ça sur un morceau de hêtre. Même si, dans l'idéal, il m'aurait fallu du tilleul qui apparemment est conseillé pour l'apprentissage puisque facile à travailler. J'en ai pas pour le moment. J'irai en chercher du tilleul pour voir vraiment la différence et pour vous montrer ce que ça donne. J'ai eu pas mal de commentaires comme quoi c'était intéressant et que certaines personnes avaient hâte de voir ça. Après tout, pourquoi pas? C'est mes premiers essais, c'est vraiment un apprentissage, c'est quelque chose que j'ai envie de développer pour certaines réalisations et pourquoi pas partager ça avec vous si vous voulez vous aussi vous essayer en même temps ou voir simplement ce que ça donne pour plus tard. Avant de vous montrer toute cette partie là, je vais vous expliquer en détail la façon, la mise en œuvre, comment est-ce que j'ai réalisé cela en vous faisant un exemple ici qui sera commenté et détaillé, et après ça je vous laisserai les images de toute cette partie là, donc de tous les exercices que j'ai fait. Comme ça vous verrez la technique, et si vous souhaitez aller plus loin en regardant comment j'ai réalisé ces différents exercices, et bien vous pourrez les voir à la suite. Allez, c'est parti. Avant toute chose, pour mon premier exercice, j'ai commencé par réaliser un quadrillage de 10 mm par 10 mm. Je vous fais un exemple ici. Le quadrillage, c'est vraiment pour apprendre à bien tracer les différentes figures que l'on souhaite réaliser. Vous n'êtes pas obligé de réaliser un quadrillage, c'est-à-dire que je peux directement réaliser la forme que je souhaite à l'endroit que je souhaite. Par exemple, si je souhaite faire un angle, je fais mes différents repères. Voilà, mon angle est prêt. Mais là, je vais vous montrer sur le quadrillage exactement de la même manière que j'ai réalisé pour les autres. Pour cette première forme, je vais munir d'un ciseau à bois pour pouvoir vous montrer là où je trace. Je vais commencer les arêtes hautes. Ce sont celles qui seront avec les traits continus. Ensuite, je vais tracer en pointillé les arêtes basses. Normalement, on fait ça avec un crayon à papier, sans trop appuyer, comme ça les arêtes hautes ne se voient pas énormément. Enfin, ça se verra pas du tout après avoir usiné. Voilà, ma forme est faite. Je vais avoir ici, donc, avec les traits continus, mes arêtes hautes, celles qui vont rester intactes. On fait ces traits normalement au crayon à papier très fin pour pas que ça se voit après. Et on va avoir ici tous les pointillés, ce seront mes arêtes basses, donc les points les plus bas. Alors maintenant, au niveau des outils, je vais utiliser un couteau de sculpture. Je vais utiliser un outil biseauté, c'est-à-dire qu'il a un tranchant droit, mais légèrement en diagonale. Ensuite, je vais utiliser un outil droit en 12 mm de large, mais là, le tranchant est bien droit, comme un ciseau à bois en fait. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez simplement le réaliser avec des ciseaux à bois de différentes tailles pour vous adapter au travail à faire. Néanmoins, celui-ci est indispensable, celui-ci avec l'angle biseauté pour pouvoir aller dans les coins. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez tout aussi bien utiliser des ciseaux à bois biseautés. Comme cela. Je vais maintenant commencer à travailler progressivement en descendant. Je ne peux pas vous dire si ma technique est la meilleure, puisque de toute façon, je n'ai jamais fait ça avant. Là, je viens prendre mon outil biseauté, comme vous le voyez. Je viens prendre mon outil biseauté et je viens enfoncer tout droit dans les angles, puisque cette partie, la partie arrière de la lame, reste à fleur du bois et ça m'évite de trop descendre. Le fait d'avoir fait cette première marque, je vais pouvoir ensuite, toujours avec le même outil, découper mes premiers angles.
Ensuite, avec un outil un peu plus large, je viens reprendre une couche un peu plus fine, mais je vais essayer de retirer tout ce que j'ai créé comme arrachement et surtout pour avoir une surface plus propre. Parce que là, c'était surtout pour dégrossir et commencer à amorcer ma forme. Là, pareil, si vous n'avez pas de couche, cette partie-là peut se faire avec un ciseau à bois. Ici, c'est un numéro 12. Il faut y aller doucement, de façon minutieuse, et ça fonctionne plutôt très bien. Vous pouvez aussi vous servir du couteau pour venir retirer, nettoyer le fond de votre sculpture. Pour les petits détails, ça fonctionne très bien. Je viens prendre juste sur mon trait de crayon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de changer de sens. Je ne suis pas trop à mon aise. Je viens couper mon trait de crayon en deux quasiment. Le plus dur, effectivement, dans les exercices que j'ai réalisés, c'est de réussir à avoir ce côté-là à la même profondeur que l'autre. Ça fonctionne, il faut juste prendre son temps et être très minutieux. Tout est quasiment réalisable sur des parties comme ça, de façon géométrique, avec un bon ciseau à bois bien affûté. Ça peut fonctionner de la même manière et tout aussi bien. Il faut juste faire attention d'où on part pour ne pas abîmer notre arête. Le travail est plutôt propre, même si j'ai fait une erreur tout à l'heure en faisant la seconde partie. J'ai touché mon arête centrale et j'ai voulu la récupérer. Et le problème, c'est que j'ai pas voulu reprendre toute l'arête. J'aurais dû
sûrement. Mais quoi qu'il en soit, c'est fichu, mon arête centrale est plus basse que les autres arêtes extérieures alors que je voulais tout à la même hauteur à la base. Ça change rien, je peux équilibrer en retravaillant ces deux parties-là pour baisser l'arête centrale ici et qu'elle se retrouve au même niveau qu'ici. En soi, c'est pas grave, le travail serait presque réussi. Je suis quand même satisfait du premier résultat. Bon, et bien voilà pour cet essai. Je me suis servi principalement donc de la gouge droite en 12 mm de large et de la gouge de diamètre 8 avec l'angle biseauté. Ce sont les Kirchen, c'est ce que je recommande parce que c'est des outils qui coupent très bien, que ce soit en ciseaux ou en gouge. Je sais qu'il y en a d'autres comme les Stubai, je crois, qui sont réputés. Après, je ne connais pas les autres marques, peu importe, vous pouvez essayer déjà avec des ciseaux à bois. Vous prenez un couteau que vous affûtez très bien. Celui-ci est fait exprès pour la sculpture apparemment. Je vous mets aussi cette photo, le lien de cette photo qui vous redirigera vers mon compte Instagram où vous trouverez donc cette image et vous pourrez directement l'enregistrer en faisant une capture d'écran ou un clic droit il me semble. Si vous souhaitez reproduire ces exercices, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous intéresse que je continue à vous montrer les différents exercices que je vais mettre en œuvre pour apprendre. Et puis si vous souhaitez voir la réalisation de ces différents exercices, je vous invite à regarder la suite de la vidéo pour voir les différents exercices réalisés. Et quoi qu'il en soit, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !